Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Laura, Renaud et leurs parents sont venus célébrer Hanami au parc oriental de Maulévrier. Un pique-nique sous les cerisiers en fleurs conforme à la tradition japonaise. Tous deux sont fascinés par le Japon, une passion transmise par Renaud, fan de films d'animation. Au début, elle a commencé à regarder plus dans son coin en cachette, et puis on a fini par elle aussi aimer ça, et puis maintenant on est dans la même passion. Ma soeur est plus traditionnelle donc, par rapport au yukata ou autre, et moi je suis pas encore tout à fait dedans. J'ai quelques petits accessoires qui me permettent de montrer que j'aime ça, mais rien de bien folichon là-dessus. Leur rêve, voyager ensemble au pays du soleil levant. En attendant, Laura dévore des mangas et elle découvre Maulévrier avec l'impression d'être déjà un peu au Japon. C'est juste magnifique. Ça ressemble vraiment au parc japonais qu'on voit à la télé, dans les vidéos, tout ça. J'ai juste vu des fleurs de cerisier, c'est ce qui m'intéresse le plus. Le rose pâle, ça donne vraiment la couleur du printemps. C'est mon rêve d'aller au Japon. Là on vous voit habillée comme une japonaise. Hein. Cet habit, c'est un yukata. C'est un habit traditionnel qui est un petit peu plus modernisé maintenant. Il est en soie. Après, il y a une petite ceinture avec des nœuds pour être un petit peu plus décoré. Et après, il y a une petite mini-jupe pour que ça fasse un peu plus moderne. Laura, vous dessinez vous-même des mangas? Oui, je dessine moi-même des mangas. C'est ce que je vais faire plus tard.